Bonjour, donc petite vidéo pour vous montrer comment ça se passe dans l'espace, donc en trois dimensions, avec des satellites. Alors, avec GeoGebra, on a créé une sphère, et puis à la surface de cette sphère, nous avons mis un point, et nous avons dit que ce point, c'était un humain qui disposait d'un GPS. Alors après, là, vous pourrez vous amuser, vu que vous avez le lien avec ces petites boîtes. Et donc, moi, je vais les faire apparaître dans le bon ordre. Alors, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de vous afficher... Hop, c'était pas celle-là, justement. Donc, c'est celle-là. Donc là, voici une deuxième sphère de rayon plus grand que la première. On va dire que la sphère bleue, c'est la Terre, sur laquelle se trouve l'humain. Cette deuxième sphère, c'est une sphère sur laquelle se trouvent mes satellites géostationnaires... ma galaxie de satellites GPS. Alors, je m'en vais les afficher. Voilà, vous avez trois satellites. Satellite 1, satellite 2, satellite 3. Donc, qui font bien partie de cette sphère rouge. Alors, ces trois satellites, je vais les garder visibles. Par contre, l'orbite, enfin la sphère de mes satellites, hop, je la cache. Voilà, alors, ces satellites sont donc à une altitude à peu près identique là, par rapport à la Terre. Et ces satellites donc émettent un signal. Alors si je clique sur sphère SAT, ça c'est donc le signal qui est émis par chacun de mes satellites. Alors là je vais les afficher tous. Et moi ce qui va m'intéresser c'est lorsqu'un signal part du satellite 3 ou 1, là celui-là. Donc il voyage à la vitesse de la lumière et puis à un moment ce signal va rencontrer donc la position de l'humain. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce signal qui est émis par le satellite, lorsqu'il touche l'humain, en fait, ça me permet de localiser l'humain, non pas à cet endroit en fait, concernant le satellite 1, mais ça me permet de le localiser sur le cercle, l'intersection en sphère, entre la sphère jaune et la sphère terrestre. Alors ça tombe bien, normalement, ici, j'ai fait apparaître donc les intersections entre chacune de mes sphères issues de mes trois satellites. Alors, pour qu'on y voit un peu plus clair, maintenant je vais enlever les sphères jaunes. Alors, les sphères jaunes, c'est celle-là. Et donc, j'ai bien mes trois satellites, satellites 1, 2 et 3, qui, émettant un signal donc dans l'espace, me décrivent en fait trois cercles d'intersection. Et alors qu'est-ce que je constate? Ben, c'est un petit peu comme dans le plan. Si je prends un satellite, l'intersection entre ce satellite et la Terre, eh bien c'est le premier, c'est un cercle. Si je prends un deuxième satellite, par exemple le satellite là, le 2, donc son point d'intersection, c'est ce grand cercle là. Donc si je n'avais que deux satellites pour me localiser, je pourrais en fait avoir la certitude d'être soit ici, soit sur ce point d'intersection. Et c'est bien pour ça qu'il me faut un troisième satellite, donc celui-là, le satellite 3, qui lui va me définir ce cercle d'intersection. Et puis c'est l'intersection de ces trois cercles qui me permet de conclure que le bonhomme se trouve ici, à l'intersection des trois cercles. Alors pourquoi parle-t-on d'un quatrième satellite nécessaire pour la localisation à l'aide du GPS? Eh bien ma foi, j'ai pas tout compris, mais le quatrième satellite, lui, semblerait nécessaire pour coordonner le temps de ces trois satellites. Alors, quand j'aurai trouvé une information compréhensible, je la rajouterai au cours. Alors, je ne sais pas si cette vidéo est utile, mais en tout cas, vous pouvez vous amuser avec GeoGebra. C'est gratuit et ça fera plaisir à votre prof de maths.